Aujourd'hui, il te parle de quoi? Il te parle du petit mot salmigondi. Salmigondi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient. Ça vient du mot sal, qui lui-même vient du mot salade, voilà, de verte ou de tomate, ou salade, mélange, des choses comme ça. Ça vient du mot mi, qui veut dire à moitié, pas tout à fait, pas entier, comme d'un mitoyen, à moitié citoyen, voilà. Ça vient du mot gon, qui vient lui-même du mot gondole. Ce n'est pas une insulte comme espèce de gon, non, c'est pas ça. Ça vient du mot gondole, mais pas les gondoles qui amènent les amoureux à Venise, non, plutôt les gondoles de supermarché et qui te mettent en promotion, tu vois, juste devant toi, et des tas de produits donc, dont tu n'as pas besoin, mais que tu vas acheter parce que tu trouves que c'est pas cher, voilà. Et ça vient du mot di, qui est la première syllabe du mot diplodocus, qui est un animal complètement dépassé, obsolète, qui n'existe plus dans nos régions. Voilà. Et donc, salmigondi, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de ramassis de verbiage en tout genre, tu vois, complètement obsolète, qui font appel à toutes sortes d'idées complètement dépassées, mais que tu places quand même en tête de gondole, n'est-ce pas, devant toi pour comme ça assommer un peu les autres avec ta parole. Voilà, et sans être tout à fait sûr, tu étais à moitié sûr que ça va marcher, tu étais en fait une salade un peu indigeste, et souvent ça marche. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le discours politique, surtout actuel, que ce soit de droite ou de gauche, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais surtout je ne sais pas où ça va. Voilà. Et la prochaine fois, je te parlerai d'autre chose, à bientôt. Ça va aller, l'hiver arrive, on va ressortir les tentes pour les sans-abri, on parlera de vie, on parlera plus de retraite. Je vais parler de tout ça, à bientôt, ça va aller, ça va aller. Voilà. Prends un parapluie quand même. Hein.